Merci de votre constante fidélité à nos programmes sur Savane Média. Vous suivez à la fois Savane TV et Savane FM dans notre émission consacrée aux candidats et à leur programme. Nous recevons aujourd'hui le seul candidat indépendant parmi les 13 à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Il prône la révolution politique. De quoi s'agit-il? Il va nous expliquer dans un instant. En outre, il parle de l'intégrité, de la gestion vertueuse de la chose publique, de l'auto-développement, de la construction de l'homme et de la société généreuse. Il veut que le Burkina Faso soit solidaire, un pays d'équité, de justice sociale, un pays où la jeunesse a accès aux emplois et où les personnes âgées sont responsabilisées. Il s'agit du docteur Claude-Aimé Tassambedo. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans nos studios pour répondre à nos questions, notamment sur votre programme. Merci de m'avoir invité. Merci à vous aussi. Adèle Dandassé, bonjour, merci. Bonjour, Soumaïla Rabou. Bonjour, Monsieur le Président. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Madame. Claude-Aimé Tassambedo est enseignant. Oui. Il est recruteur. Oui. Il est seul candidat indépendant à la présidentielle. Tout à fait. Celui donc que nous recevons sur ce plateau n'est pas totalement très bien connu du public burkinabé. Il a déjà entamé ses meetings sur le terrain, mais on retient de lui qu'il a 53 ans aujourd'hui. Il brigue la magistrature suprême, mais en jetant un regard sur son parcours professionnel, on voit qu'il est passé à la BCAB, il est aussi passé au cabinet ARC. Il a fait un tour à la Carrefour, il a été à l'ABGRH, il a été à l'ABMAC, il a été aussi à la Caisse nationale de crédit agricole, il a été à la Caisse populaire du Burkina. Docteur Claude-Aimé Tassambedo, on retiendra aussi votre passage à l'ONEA. Aussi à l'international, vous avez été à l'UPSA au Bénin, vous avez fait un tour à Ambal au Mali, Sonar IARD au Burkina Faso toujours, vous avez été aussi à la CNSS, à la Banque Atlantique du Burkina, à la Sonabel, au Grand Moulin du Faso, à Cotecna, à Asecna, à SBC Bobo, SOS Village d'Enfants Burkina Faso, pour ne citer que cela. Alors, vous qui avez déjà entamé vos meetings sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression que les populations sont attentives à vos messages, étant donné que vous n'êtes pas très bien connu des publics? Bien, merci madame. Merci de me donner l'opportunité d'en parler, et ne serait-ce que brièvement. En réalité, je pense qu'ils sont sensibles. Ils sont sensibles aux messages que je donne, parce que une fois que je m'en vais, beaucoup tentent de me rappeler. Et ce qui me revient toujours, ils me disent, ben, écoutez, docteur, vraiment, quand on vous écoute, ça nous accroche. Mais est-ce que vous êtes sûr que si on n'a pas l'argent par derrière, quelque chose pourra être en votre faveur? Donc c'est la problématique qui m'inquiète en réalité, mais qui ne me trouble pas. Voilà la nuance que je peux faire. Mais sur ce terrain, je pense que le Burkinabé est déchiré en réalité. Il est déchiré en ce qu'il est véritablement. Parce que le Burkinabé tel que nous le connaissions, il est intègre, il aime le travail dans la discipline. Mais vous savez que l'homme est malléable, l'homme, on peut le transformer. Il y a un environnement qui n'est pas favorable à l'expression de cette intégrité. Tout à fait, c'est ce qui est constaté et ça les pèse tellement qu'ils veulent bien s'en sortir, mais il y a comme une machine qui les empêche de s'en sortir. Mais la tentation est forte entre le candidat qui a l'âge et le candidat qui a les beaux discours. Effectivement. Le choix est vite fait. C'est très vite fait, humainement parlant. Et c'est pour cela que l'enjeu est de taille, parce que ça serait de la démission. Effectivement, le choix est vite fait, c'est humain, mais ce qui me réconforte, c'est que par ailleurs, et c'est la duplicité, l'homme, comme je le dis, il peut aussi être changé lorsque vous avez les bons arguments et lorsqu'il arrive à être acquis à votre cause. Donc je l'espère, et c'est pour cela que je me bats de toutes mes forces, pour qu'ils arrivent à comprendre que ces situations conjoncturelles, hein, de leur donner quelques miettes d'argent et les maintenir constamment dans cette situation de mendicité, de pauvreté, n'est pas une solution pour eux en réalité. Donc je fais tout, et c'est l'intérêt de mon engagement, pour qu'ils en sortent.
et parce que nous, je pense que nous en avons la responsabilité, puisque je me considère intellectuel, donc comme le sel, comme voilà, la lumière pour ces populations-là. Je ne devrais pas les laisser vraiment dans cette situation. Docteur, il y a des gens comme vous qui ont vite fait de baisser les bras dans des circonstances pareilles. Où vous trouvez finalement vos forces pour continuer à mener ce combat-là? Tout à fait. C'est aussi simplement que cela. Comme je le dis, c'est l'amour pour le pays. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle très simplement le patriotisme. C'est comment on a été éduqué, comment on a été construit, comment on a eu la chance ou en tout cas l'opportunité de bénéficier d'une autre gouvernance que celle qui se voit aujourd'hui. On peut faire la comparaison entre la gouvernance vertueuse qu'on a eue sous Thomas Sankara et tout ce qui a suivi après. Mais cela seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un engagement personnel. Et cet engagement personnel-là tient du fait que je suis directement, vraiment, dans la situation. Je suis enseignant et je suis recruteur. Je vois mes étudiants que j'ai formés depuis 10 ans qui sont toujours à la recherche de l'emploi, qui dépriment tous les jours. Mais c'est pour un éducateur, tu n'as pas le sommeil. Et par ailleurs, j'ai essayé de résoudre autrement ma question en créant une association CAP3ESS, c'est-à-dire les 3 E, c'est emploi, éducation, environnement, santé, sécurité. Et pendant, j'allais dire un an, j'ai distribué à peu près 70 millions de vivres dans les 13 régions au moment du Covid, grâce à l'appui de partenaires étrangers. Mais quand j'ai demandé l'appui, aucun franc n'est venu du Burkina. Le manque de solidarité. J'ai constaté qu'il n'y a aucune conscience vis-à-vis de la pauvreté des gens. Aucune structure n'a voulu donner un franc pour aider la population. Tout est venu de l'extérieur. Alors ça m'a quelque part chiffonné. Et ça m'a dit que, mais attends, avec toute cette misère, on n'ose pas agir pour essayer d'aider. C'est que la gouvernance ne pense pas vraiment à la population. C'est ça qui m'a surtout motivé à m'engager pour une transformation structurelle. Parce que l'association, je donne des aides, mais je n'arrive pas à changer fondamentalement leur vie. Et ça me restait un peu à la gorge. Surtout que nous avons trimé ensemble pour l'avènement de l'insurrection. Et donc on s'était dit, ouf, vous conviendrez avec moi, ça c'est le rapport de l'ENA. Depuis 2016, la corruption s'est renforcée à un taux plus élevé. Comment on peut comprendre ça? Si ce n'est vraiment pas une insulte à nos efforts que nous avons faits pour changer la condition, et vous retrouverez toutes ces personnes qui étaient dans la rue comme moi, une partie s'accroche aux Marocains gouvernementaux, ne veulent pas partir, et d'autres sont en train de se transformer politiquement avec des adversités que l'on constate, ce qui me fait douter sur la sincérité de ces personnes qui avaient été sur le terrain. Et donc, de me prendre du recul et de comprendre que si je veux changer les choses, ce n'est pas en étant tranquille, mais c'est en étant actif. Mais où? À la présidence du FASO, en espérant que je serai compris. Docteur, quand on vous suit, on a l'impression que vous voulez rompre la machine, vous voulez rompre avec les anciennes pratiques, mais on sait aussi que vous êtes novice sur le plan politique. Est-ce que vous pensez réellement faire le poids face à ceux qui sont là depuis pratiquement 20-30 ans? Tout à fait, c'est vrai. Et vous avez compris, c'est ce que j'ai dénommé révolution politique. Parce que nous ne pouvons plus faire ces révolutions populaires. Donc aujourd'hui, il faut passer par les urnes, de façon démocratique. Il n'y a que cette façon aujourd'hui d'y arriver. Et donc j'ai envie de rompre totalement. Donc d'aller chercher les voies de ceux qui me permettront d'accéder à la présidence pour rompre avec ces pratiques. Vous aurez tout compris, c'est pour cela que je ne veux pas être dans les campagnes législatives, municipales et autres, parce que je ne suis pas dans la tendance politicienne. C'est étant chef d'État que je peux régler ces questions. Comment? Parce que quand on reste toujours dans l'esprit africain, c'est, moi je pense que culturellement nous sommes vraiment dans la démocratie directe. Les Africains suivent le chef.
Si tu es chef, tu peux changer les choses. Les Africains fonctionnent comme ça. Donc, arriver à être président, il y a des mécanismes qui te permettent de dissoudre l'Assemblée, de créer beaucoup et de décider conformément à ta vision. Et j'ai conscience de mes faiblesses. C'est-à-dire, je n'ai pas de machine derrière comme les autres en ont. Mais ça peut être en même temps une force pour moi parce que je n'ai pas de boulet au pied. Ces grosses machines-là, ce sont ces grosses machines-là qui, derrière, nous empêchent aujourd'hui d'aller dans la bonne direction. Et donc, si je m'hasardais à faire du classique avec ces types de machines-là, je me mettais à la disposition tout simplement de ce que j'appelle un consortium de mafias. Parce que ces gens-là, c'est leur poste qui les intéresse. Pour vous, les partis politiques aujourd'hui sont les reflets de la mafia. Il ne faut pas leur faire confiance. J'assume ils sont totalement discrédités. J'assume ça. C'est pour cela que j'assume ces propos-là. C'est comme ça. C'est pour cela qu'il y a une rupture totale de confiance entre la base et les hommes politiques. Il y a une rupture totale. Vous savez, pour prendre cette décision de m'engager à la candidature, à commencer par mes géniteurs, personne ne m'a donné le quitus immédiatement. Tous étaient contre cette décision parce qu'ils auraient souhaité que je reste dans ma tranquillité, que j'aille dans le sens de mon association, que je me développe autrement, que je continue de former les jeunes comme je les forme et généreusement comme je le fais. Mais qu'est-ce que tu as allé te mettre dans ce milieu de menteurs, de fautifs, de sales personnes? Tout est utilisé comme terme pour qualifier le politicien aujourd'hui. Je dis le politicien, pas le politique. Et c'est vrai, c'est tous des personnes. Suivez un peu ce que mon grand frère et que Diabré tente de faire ces derniers temps. Zéphirin Diabré, dès qu'il c'est votre adversaire. C'est mon adversaire, effectivement. Je n'ai pas de sympathie particulière pour lui dans la lutte politique. Mais comme nous sommes Africains, c'est un aîné, ce qu'il tente de faire, il dit qu'il débarque quelques personnes pour aller à la base. Alors il fuit tous. Parce que quoi? Le gombo s'en va. Je trouve, moi, c'est mon analyse, que c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut assumer quand même. Il faut assumer. Quand on a été un homme de conviction, pour moi, la politique, c'est la conviction. Je pense que la politique est la forme supérieure de la charité. Donc, c'est ce que j'ai rappelé dans mes propos du 5-6. J'ai dit, dans ces propos-là, que je m'engageais pour un sacerdoce. Le sacerdoce, ça veut dire quoi? C'est de servir. Et la politique, pour moi, est la forme supérieure de la charité. C'est comme ça que je comprends. On vient pour servir parce qu'on s'est suffisamment construit et qu'on pense qu'on a quelque chose à partager avec les autres. Mais on ne vient pas pour prendre des choses. Et donc, quand ça ne va pas, il faut pouvoir persévérer pour essayer de transformer comme vous en étiez venu. Parce que l'esprit, ce n'est pas d'être ensemble. Et dès lors qu'on n'a plus le poste, il faut courir et aller voir ailleurs comment on peut s'arranger encore pour pouvoir avoir des postes à prendre. Donc, pour moi, franchement, avoir les partis comme ça n'est pas un avantage comme on le pense. Alors que ça fonctionne comme ça chez les citoyens lambda, hein? Mettez-vous à sa place, il regarde Zéphirin Diabré, il est entouré, il a quelques députés, il a des cadres parfois dont certains sont à la retraite, il regarde Rochma Christian Kabore, il a des cadres, il a des amis, camarades carriéristes dans la politique, il regarde Claude Emeta Sambedo, il ne voit pas de cadres autour de lui, il est candidat indépendant. Comment il peut faire confiance à un candidat indépendant qui n'est pas entouré? Tout à fait. Curieusement, et j'ai le raisonnement inverse sur le terrain. Quand j'arrive, les gens me disent, mais dis donc, nous on cherche à vous connaître parce qu'il faut avoir un courage. Hein? Comment vous faites? Comment vous avez eu les 25 millions? Comment vous vous êtes débrouillé? Vous n'avez pas autre chose à faire avec ça? Donc, quelque part, ils voient quelqu'un qui ose attaquer, j'allais dire des lions, des éléphants, mais qui est serein. Il ne voit pas en moi une perturbation particulière, il voit plutôt une confiance. Et c'est cette faiblesse peut-être de ma formation, comme vous l'avez dit, remarqué tantôt. Je suis gestionnaire des ressources, je crois en l'homme. L'homme, il peut, il a la réalité de sa destinée entre les mains. S'il est prêt pour le changement,
toutes ces formes-là, il va les éclabousser et puis choisir le président qu'il souhaite pour le changement. Il y a tellement de questions, Adèle, dans ce qu'on doit poser à Dr. Claude Emeta Sambedo pour le découvrir davantage, parce que vous êtes le moins connu de tous ceux qui se sont présentés à la présidentielle. Là. On n'a pas vu votre candidature venir. Vous faites partie des candidats qui ne se sont pas annoncés du tout, que la presse n'a pas cité parmi les présidentiables. Et on se demande à la limite comment vous avez même pu bénéficier des parrainages alors que vous êtes indépendant et les parrainages sont politiques. Vous êtes finalement la surprise de 2020. Oui, c'est la surprise de 2020. Hélas, c'est vrai. Je suis la surprise de 2020 parce que généralement, tous ceux qui aiment le quotidien ne savent pas que les surprises viennent toujours de tous ceux qui s'organisent dans le secret et dans le silence. Effectivement, il y avait deux barrières. La barrière politique et la barrière financière. La barrière financière, c'était les 25 millions. La barrière politique, c'était le parrainage. Et vous aurez bien compris, cela faisait partie de ma stratégie. Si je m'étais annoncé très tôt, vous aurez compris. Le système vous aurait broyé. Le système aurait utilisé tous les moyens pour que je ne sois pas devant vous aujourd'hui en train de me vanter d'être le seul candidat indépendant. Ils m'auraient lessivé complètement par leur mécanisme. La preuve, ceux qui se sont annoncés ont eu beaucoup de sueur froide jusqu'à la dernière minute. Vous aurez constaté. Il y en a qui ont été recalés. Et vous avez vu que la majorité était à 50-50 de justesse. Et je suis le seul, après les grands candidats, à avoir à peu près une quatre-vingtaine. J'avais quand même 16 de parrainage. J'en avais 16 en réserve que j'ai mis en réserve parce que je me disais que si jamais on me récalait avec les 70, pour une raison que je n'allais pas avoir 24 heures n'étant pas politicien pour courir et retrouver des parrainages. Donc j'en avais mis suffisamment de réserve à côté pour que si jamais il y avait des soucis, je les remplace immédiatement sans être obligé. Ça, c'est le professeur. J'anticipe. Finalement, ça, vous avez cette machine-là derrière vous. Alors, cette machine. La machine stratégique. Machine stratégique, j'en venais justement, et qui n'est pas une faiblesse. C'est ce que je voulais dire, j'en arrivais, vous avez anticipé. Merci de m'avoir prêté le mot. Il faut être stratège dans la vie. Et la stratégie, c'est important. Donc, comme j'ai été manager, je sais anticiper quand même sur la question de gestion. Et donc, une autre de mes forces, c'est que former, enseigner, il ne faut pas négliger. Des milliers de personnes passent devant vous. Et quelque part, ils gardent l'image de vous, d'un bon enseignant ou d'un mauvais enseignant. De quelqu'un en qui on peut faire confiance ou de quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. Donc les gens oublient ça, que l'enseignement, c'est quand même un creuset où relationnellement, si tu as été compétent, là où ça ne ment pas, c'est avec les étudiants. Si tu es bon, tu es bon. Si tu n'es pas bon, tu verras toutes les critiques. Et ils savent beaucoup aujourd'hui par les réseaux sociaux. Donc la relation que j'entretiens souvent avec mes étudiants sont des relations d'éducateurs. Et ça permet d'avoir une assise plus ou moins relationnellement. Et quand le moment vient, quand on se concourt, jamais je ne suis dessus. Et ça m'a beaucoup aidé. On comprend que les étudiants ont beaucoup participé à la mobilisation des parrainages. Docteur, est-ce que c'est cette méfiance et ce manque de confiance-là qui vous a amené à fuir les partis politiques? En quelque sorte. Très bien, madame. C'est le manque de confiance et quelque part le souci de ne pas vivre ce qui reste inévitable. Pourquoi je dis ça? Comme je l'ai qualifié de consortium de mafia, vous ne pouvez pas seul, lorsque vous vous ouvrez à un système, vous battre et vous en sortir. Vous allez vous salir exactement comme ce système-là. Donc, comme je ne fais confiance à aucune de ces personnes, et vous l'aurez remarqué, que toutes les personnes aussi, et qui se disent catholiques, ou en tout cas, ne veulent pas se salir. Oui. Et c'est ce qu'on dit. Il ne faut pas se salir. Jusqu'à ce que je me laisse entendre, bien sûr.
par l'archevêque, bon, lorsque les catholiques ne font pas la politique ne sera jamais catholique. Alors, donc, ça fait réfléchir, parce que si vous n'êtes pas tous ceux qui veulent rester propres et dire qu'ils ne font pas la politique, en fait, c'est un peu irresponsable quelque part. Je me suis vu un peu irresponsable, un peu inconscient, de dire, bon, c'est la meilleure position de toujours être en train de critiquer les autres pendant qu'on ne va pas à l'action et prouver que vous pouvez être là et être intègre quand même. Donc c'est un défi. Il faut le relever. C'est facile de dire aux autres, mais vous-même, vous pouvez aller et dans l'action, prouver que vous êtes quand même intègre pour que les jeunes, aujourd'hui, qui manquent de repères, c'est leur plus gros problème, mais ils manquent de repères. Et quand on leur dit souvent, ils disent, mais docteur, on nous cite Sankara, nous on veut des Sankara vivants. Vous, vous en avez connu de vivants, mais nous, on n'en voit pas. Ils n'ont pas d'exemple. Et aujourd'hui, il faut tout faire pour le leur donner. Et je veux arriver à prouver aux jeunes qu'ils peuvent se battre et qu'un Burkinabé peut être là où je suis et ils peuvent y être. Ce n'est pas extraordinaire. Donc, c'est aussi une façon de leur prouver que ça ne sert à rien de penser qu'en tant que Burkinabé, notre vie est réduite à la misère, à la pauvreté, et on ne peut pas espérer mieux. Donc, quelque part, il faut leur donner l'exemple, mais il faut, dans cela, s'engager pour changer leur quotidien. Parce que si tu ne t'engages pas, tu ne peux pas agir sur le quotidien. Donc, vous aurez compris, on ne m'a pas vu venir, mais j'ai fait l'appel le 5-6 août. J'ai fait un appel où j'ai dit, et je me suis référé sur Sankara, où j'ai dit malheur à ceux qui baillonnent leur peuple. Et je me suis référé à Norbert Zongo pour dire, il n'y a pas d'avenir pour quelqu'un dans un pays sans avenir. Et je terminais par Kizerbo en disant, Nan Lara, en Sahara, comme les Djoula disent, il ne faut pas se coucher, sinon on va nous piétiner. Et donc, moi, je ne me couche pas. Mais tout le monde n'avait pas compris le message, ça c'est sûr, vrai. Parce qu'il a fallu que vous présentiez à la CENI, à la commission électorale, pour qu'on sache que vous étiez vraiment sérieux avec cette candidature. Exactement. Indépendante. Vous avez raison. On imagine ce que vous pouvez dire du bilan de Rokma Christian Kabore en 5 années de gestion, à partir du moment où vous considérez que son parti fait partie de ce que vous appelez la mafia. Exactement. Quel bilan vous en faites? Alors, déjà, si on se réfère au bilan du RENLAC, avec depuis 2016 une corruption galopante, on peut dire déjà qu'il y a un laxisme au sommet de l'État. Donc, il n'y a pas de direction en réalité. Le président est complètement absent, ce qui fait que tout se passe comme si de rien n'était. Alors que quand il n'y a pas de gouvernance, quand il n'y a pas de gestion, il y a des abus dans tous les sens. Et depuis quelque temps, on a vu des ministres mentir et dire après qu'on les a trompés, on les a obligés à mentir. Non, c'est la seule ministre de la Santé qui était dans le cas. Alors, pas plusieurs. Je continue, j'ai donné un exemple et ensuite il y a d'autres qui ont des casseroles concernant la gestion des mines et qui sont tranquilles, tout est là et ça ne bouge pas. Je ne dis pas qu'ils sont fautifs, je n'incrime personne parce que tout le monde a droit à l'innocence, mais j'aime la dignité. Il y a des moments où quand on parle beaucoup, il faut se retirer, se blanchir, même sous le règne du président Blaise Compaoré, où ils y ont été, il y a eu des comportements qui se sont passés, mais les intéressés ont démissionné, ont permis à la justice de travailler. C'est vrai qu'en son temps, Jérôme Bougma, exactement, qui était ministre du Travail, a démissionné, oui. Et quand même s'est prêté au jeu de la justice. Aujourd'hui, vous pensez que le ministre des Mines aurait dû, Oumarou Idani aurait dû se mettre à l'écart du gouvernement. Exactement. Et puis permettre de clarifier la situation sur son compte. Ça permet que le peuple ait confiance aux politiques. Si tu ne te reproches rien, tu te retires, tu te blanchis, et puis on te remet dans tes fonctions comme cela se doit dans une république. Donc lutte contre la corruption, vous pensez que c'est un échec général. Ensuite, vous voyez les H-Crown, tous les dossiers qui y sont. Aucun dossier n'a été traité en dehors de celui des policiers militaires radiés. Tous les autres dossiers y sont. Pendant 5 ans, il y en a plein. Il n'y a pas eu de dossier traité. Donc, véritablement, toute l'impunité également demeure toujours. Ensuite, vous avez la gabégie. Des 200 000 qui se sont perdus avec des gens en mission et tout ça sans justification.
Bon, on gère un peu l'argent. Aujourd'hui, les routes, ça me fait... Là, c'est quand même un succès, puisque les citoyens disent que c'est plutôt bien. Ouh là là, moi, je ne sais pas, mais les citoyens n'ont pas cette lucidité de faire la relation entre l'argent qui est sorti et ce qu'on voit. Et ce n'est pas ce qu'on voit qui est le problème, c'est qu'est-ce qui est sorti pour qu'on voit ce qu'on voit. Et deux jours après, comment ces infrastructures se comportent sur le terrain. Et on ne peut plus circuler là-dessus. Donc, quand vous voyez ça, c'est la pire des choses. Et c'est justement cette petite intelligence, souvent, que je veux amener le peuple à comprendre. Parce que, et tout de suite, on a l'impression, on insulte l'intelligence du peuple. Quand les élections, après, on fait des trucs et on dit voilà ce qu'on a fait. On n'en est pas là. Ce n'est pas ça le développement. Faire des activités, on est activiste et on montre voilà ce qu'on a fait. Non, le développement est un schéma durable. Et vous quittez, d'autres personnes viennent, ils poursuivent. Parce que c'est un pays, ce n'est pas un individu. Vous voyez ? Donc les routes, c'est un échec pour moi. C'est une gabégie. C'est une gabégie. On aurait pu faire mieux avec une idée politique derrière. Déconcentrer les villages, déconcentrer avec des investissements crédibles qui allaient permettre l'interconnexion, rendre réelle la décentralisation, qui est une bonne initiative. Mais avec quelle route on va où ? Il n'y en a pas. Donc il faut donner une vision politique à l'action qu'on mène. C'est ça qu'on appelle faire de la politique. Au niveau des services sociaux de base, santé, éducation, eau potable, ça va plutôt mieux. Parce que le président présente quand même la gratuité des soins comme une réussite de son programme. J'ai une anecdote là-dessus, sur la gratuité des soins. Laquelle ? J'ai quelques petites confidences, puisque j'ai une petite association. Et quand les femmes arrivent pour la gratuité... Ils n'ont que la gratuité, vraiment. Puisqu'il n'y a rien. Il n'y a rien, on dit que c'est gratuit. Mais où est le sens de la gratuité? Non, il y a la santé au moins qui fait la consultation. Bon, enfin. Avec quelques produits. Bon, enfin, vous êtes clément. C'est votre rôle d'être impartial. Moi, je suis un politique. Là où je vous parle, ça ne veut rien dire, ces questions. L'essentiel, ce n'est pas d'annoncer le problème. C'est les solutions au problème. La gratuité, c'était que quand même, on a dit des soins. On n'a pas dit de la consultation. Donc, la gratuité de la consultation, ça aussi, il faut le dire. Comme ça, le patient se prépare à acheter ses produits quand il va. Donc, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Et donc, c'est quand même... C'est, par contre, c'est une belle idée à laquelle j'adhère. J'aurais souhaité que ça soit effectif. Je pense que c'est... Il ne faut pas critiquer l'idée. L'idée est très bonne, mais il faut y donner un contenu. C'est le contenu qui n'existe pas et c'est dommage. Et là, c'est ce que je dis, c'est une question de... Alors que le gouvernement a fait le bilan, hein, c'est entre 100 milliards, 120 milliards qui ont été injectés dans la gratuité des soins. Mais vous comprenez pourquoi moi je n'aime pas les chiffres. Il n'y a rien de vrai dans les chiffres qu'on donne, hein, je vous l'affirme. Et je l'ai toujours dit. L'argent n'est pas sorti. L'argent, je vous assure. Je vais en venir pour la question des fonds pour l'emploi des jeunes. C'est triste l'utilisation de ces fonds-là. Moi, j'aimerais faire un audit. Vous avez vu dans mon programme, j'ai toujours fait, dès que j'arrive, j'ai fait l'audit des comptes publics de l'État, de toutes les structures. Mais ça va être ahurissant. Je vous donne l'exemple de ce que je connais le plus, c'est les fonds prétendument qu'on donne pour que les étudiants ou les jeunes mettent en œuvre leurs petits projets, créent des emplois. C'est plutôt du dédain. Imaginez-vous un jeune qui n'a rien, qui n'a pas à manger et qui il peut monter quel projet viable de 400 000 et puis s'en sortir. Quand on est un responsable, on ne peut pas se permettre de réfléchir comme ça. C'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours voir les bailleurs, ils expliquent des faux projets. Et il y a des personnes qui sont spécialistes qui montent ces projets-là. Ils sont assis à la maison avec les ordinateurs. Ils montent 10 projets pour 10 jeunes. Et on vient les rétribuer, les 10% ou les 20%. Et le reste, le jeune sait qu'il ne doit pas rembourser. C'est une catastrophe. Mais ça, c'est une continuité de depuis l'ère Compaoré. Mais bien sûr, c'est pour cela que je vous ai dit tantôt que c'est ceux qui ont créé les problèmes qui sont là aujourd'hui. Ils continuent avec leurs pratiques. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes au niveau de l'emploi puisqu'on ne voit pas de résultats. Moi, je vous donne, je dis que c'est une bonne idée de mettre des fonds pour créer des emplois. Je vais l'utiliser autrement. Moi, je dis, ces fonds-là, au lieu de faire ça, et puis je vous dis, la moitié, c'est des dossiers
Il y a des preuves, c'est ça qui les aide à financer leur campagne aujourd'hui. Ce sont ces fonds-là. On a vu des fonds délivrés à Bobo pour aller former dans ce cadre pendant que j'y étais. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est un mélange du genre. Il n'y a pas de relation entre Fafège et puis MPP. Il n'y a pas de relation. Et c'est pour cela que je dis encore que quand vous avez un parti, les gens viennent pour gérer pour le parti, mais pas pour le pays. Ils viennent, c'est pour consolider les partis avec l'argent de l'État, mais pas, ils ne gèrent pas pour les populations. Donc ce fonds, moi je dis, on les met ensemble, on met des projets, et comme je dis, les jeunes ensemble, avec des projets viables, on fait partie des aînés d'un certain âge, comme des coachs, qui sont des professionnels sur ces questions de gestion de projet, qui coachent ces jeunes-là dans des projets incubateurs et qui permettent à ces jeunes de créer plusieurs emplois et durables. Et en même temps, je résous cette question de l'exclusion des personnes du troisième âge parce qu'ils auront de quoi continuer à former pendant que les jeunes grandiront. Et à un moment donné, nous avons une cohésion dans l'ossature. Pendant ce temps, les femmes, comme je dis, c'est ça, je dis, on se bat pour parler de 30-40% des femmes pour les gouvernances. Oui. Une affaire ridicule qui ne m'intéresse pas. Ah oui, mais pourtant ça intéresse les politiques. Non, mais c'est ridicule. Jusqu'à l'Assemblée nationale, il y a une loi sur le quota genre. Oui, c'est la pensée unique. Ils n'ont pas de génie. Ils n'ont pas d'innovation. Les femmes, ce n'est pas leur préoccupation. Vous voyez qu'ils échouent tout le temps. Ils sont obligés de s'expliquer et tout ça. Madame va m'écouter attentivement. Elle va pouvoir me répondre. Les femmes, c'est pas ça. Vous savez, les femmes aiment s'occuper des foyers convenablement. Il faut leur donner les moyens financiers et la femme, elle fait ce qui lui plaît. Le travail, l'emploi, c'est l'épanouissement. Il faut les financer parce que, je le dis aussi, contre nous, l'homme n'a pas souvent ce niveau de responsabilité très poussé pour la famille comme la femme. Son problème, c'est que les enfants sont à l'école. Quand l'enfant n'a pas à l'école, la femme ne dort pas, mais nous, parfois, on peut aller boire toujours la bière, un peu inconscient. Donc, c'est de leur donner les moyens économiques pour qu'elles soient autonomes. Oui, mais ça se fait comment, docteur? C'est ce que je dis, c'est d'utiliser les fonds, les coopératives qu'il y a actuellement. Actuellement, il y a le FARF, hein, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. C'est le même schéma. Pas moins de 10 milliards donnés en prêt chaque année. Si, c'est le même schéma. Comme pour les jeunes, exactement. Pour les jeunes. C'est pour cela que je dis qu'il y a des choses qu'on peut utiliser autrement, bien, mais l'esprit, je reviens sur la pourriture. C'est ça que je dis. C'est pour cela qu'avec ces fonds, on peut faire autre chose pour les femmes, renforcer et les mettre en musique. Parce qu'il y a des femmes qui ont la capacité de bien vendre. Ils sont en association. Il y en a qui produisent. On les organise jusqu'à la sortie du produit à l'extérieur. Quand je vais à la base, ce que j'écoute avec mon association, parfois j'ai les finances, c'est ce qu'ils veulent surtout. C'est quoi? C'est pour pouvoir vendre leurs produits. Mais on ne s'en occupe pas, ce n'est pas ça leur problème. C'est quand même, on ne produit pas pour ne pas vendre. Donc il faut trouver un mécanisme pour aider les femmes à trouver des solutions à ces microfinancements qu'on leur donne pour qu'ils grossissent et finissent par être, elles grossissent et finissent par être des industriels. Mais si on ne les suit pas pas à pas, il n'y a pas de suivi, il n'y a aucune, et celle à qui on donne, je connais, c'est pas celle vraiment qui devrait en bénéficier, et tout est émaillé par ce que j'appelle la politisation exagérée, hein, de la gestion de l'État. Et c'est pour cela, aujourd'hui je vous dis, il y a des gens qui disent, ah docteur, on aimerait bien vous aider, mais il ne faut pas qu'on s'affiche. Vous voyez, ils veulent rester dans l'ombre, continuer toujours à être MPP, mais peut-être ils iront mettre leur bulletin de vote pour le docteur Tassam Bédo, pour que personne ne sache, parce qu'il y a la garde MPP qui est là. Si jamais un fonds est donné à une Adèle qui n'a aucune coloration politique, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Il faut donner à des femmes qui vont venir le donner après pour alimenter. Et mais comment arriver à rompre ce système-là? Alors, cette coloration politique. C'est ce que je dis, c'est une de mes premières décisions, la dépolitisation totale de l'administration publique. Mettre l'homme qu'il faut qu'il... Parce qu'il y a des inspirations sur ça aujourd'hui. J'aime dire que la roue ne s'invente pas. Autant le président Kagame dit qu'il est venu prendre seulement le projet politique de Thomas Sankara à le mettre en place au Rwanda, et lui se demande ce que nous on fait ici, autant
comme lui l'a mis en œuvre politiquement, moi aussi je peux me permettre en tant que Burkinabé d'aller prendre là-bas tranquillement et de venir mettre en œuvre chez moi. Puisqu'il est venu prendre chez un de mes aînés ici. Le retour à la maison. Allez, maître, je vais aller chercher là-bas pour venir. Mais attention, il le met en pratique efficacement et il rompt. Il faut avoir l'autorité de l'État. Parce que toi-même, tu es exemplaire, l'exemplarité au niveau de la gestion. C'est le premier, l'exemplarité. Il faut être exemplaire, il faut être irréprochable. Même quand on tente de te salir, les gens rigolent. On a tenté ici de salir le président Thomas Sankara, mais ça faisait rigoler. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible. Donc, l'exemplarité permet de rompre avec ces pratiques-là. Et il faut choisir, je vais vous dire, c'est encore ma croyance en l'homme. Quand vous donnez l'exemple, les hommes vous suivent. Et quand ils voient l'intérêt, mais dire de faire ce qu'on ne fait pas soi-même là. Ça ne marche pas aujourd'hui. Les jeunes là n'entendent pas ce discours là. Hein. Ils regardent comment tu fais. Tu dis de ne pas voler, tu voles 4 milliards. Ils t'écoutent royalement et ils volent 4 milliards. Donc c'est l'exemplarité qui permettra de rompre avec ça. Et l'audit, la dépolitisation totale et mettre l'homme qu'il faut. C'est ce que je dis aussi, un des axes, c'est la méritocratie. Il faut la méritocratie. Hein? Vous voyez, nous, on n'a pas eu besoin. On était brillants, on est arrivés, on est passés, on est allé faire nos études, mais on n'a pas passé de coup de fil. Tu as mérité. Aujourd'hui, parmi, je vous le dis, les étudiants qui méritent, c'est eux qui sont plus dans la rue. Ceux qui ne méritent pas, c'est eux qui, malheureusement, vous les voyez partout parce qu'ils comptent sur quelqu'un et ils ont totalement tué, vraiment le goût du travail chez tous les Burkinabés et plus précisément au niveau de la jeunesse. Docteur Claude Emeta Sambedo, parmi les organisations de la société civile qui ont donné la voix sous forme de plaidoyer pour interpeller les candidats dont vous êtes un, il y a la coalition, le consortium des OSC contre les inégalités. Qui vous ont demandé de signer un mémorandum et de faire en sorte que votre pouvoir, si vous êtes élu, consacre assez de temps à la lutte contre les inégalités. Comment vous comptez y arriver? Vous savez, la première, comme je le dis, et je l'ai toujours dit, il faut avoir le courage de faire certaines choses. Aujourd'hui, les syndicats sont sur tous les fronts parce que au fond, certaines décisions ont créé beaucoup d'inégalités entre les Burkinabés. Et quand il y a de l'inégalité dans le traitement des hommes, vous ne pouvez pas avoir une paix sociale. Convenez, c'est humain. On ne peut pas accepter ça. C'est pour cela une des entreprises courageuses quand même qu'ils ont eues. Mais comme j'ai dit, je ne peux pas dire que c'est un bilan parce qu'ils ne peuvent pas avancer là-dessus. C'est la remise à plat des salaires. C'est encore en chemin. Qui est encore... Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ils ne peuvent pas. Parce que quand dès qu'ils vont rencontrer un ami en chemin à qui il faut retirer un avantage, ils vont reculer. C'est ce que je vous dis. Je dis le courage. De Gaulle disait, pour gérer le changement, il faut deux éléments. L'intelligence et le courage. Pour gérer le changement. Pour gérer le changement. Et j'y crois. L'intelligence, parce qu'il faut innover. Le courage, parce qu'il faut savoir décider, à l'exemple de Rawlings, qui a pu prendre des décisions parfois contre des propres parents immédiatement, en les liquidant ou en les licenciant purement et simplement. Mais aujourd'hui, c'est une personnalité écoutée, parce qu'il n'y a pas de favoritisme. Donc, il faut mettre fin au favoritisme et permettre à tout Burkinabé d'être traité équitablement. Vous avez des fonctions aujourd'hui, moi j'appelle, qui vivent d'une corruption institutionnalisée. Tout le monde sait que ce monsieur, dans cette fonction, que j'évite de citer, ne peut pas avoir 20 maisons, mais il a 20 maisons et les gens disent, ah, il est de cette fonction. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est la corruption institutionnalisée. On accepte qu'il y ait de la corruption là-bas et que, parce qu'il occupe cette fonction, il a le droit d'avoir 20. Ah, comme celui-là, et il n'y a pas de problème. On sait que là-bas, là, il y a la bouffe. Et des gens qui ont la maîtrise, ils vont aller passer un concours du niveau certificat pour être là-bas. Chacun fait son travail.
ceux qui gardent l'argent aussi font leur travail. Il n'est pas question de dire parce que certains sont à la fiscalité de porte ou parce que certains gèrent ces fonds, ils ont le droit d'avoir des bonifications pendant que tous les autres qui sont là n'ont droit à rien. Vous avez dit beaucoup de choses sur la lutte anticorruption, Dr. Claude Aimé Tassambedo, sur la gestion vertueuse, sur la solidarité, sur la justice sociale. Ce que vous n'avez pas dit, c'est comment vous créez de nouvelles richesses. Ou bien vous estimez qu'il y a assez d'argent au Burkina, assez de ressources naturelles, et il y a beaucoup de production et que le peu que nous avons peut être bien et mieux redistribué. Tout à fait. C'est exactement ce que je pense. C'est pour cela que vous avez vu tout à fait que dans mon projet de gouvernement, j'ai mis directement à l'issue ou à la fin de mon projet de société très restreint les ministères, parce que je pense que l'argent est mal utilisé et que les recettes sont mal et l'assiette est mal faite. En 2021, par exemple, les prévisions des recettes, c'est 2000 milliards. 2000 milliards. Vous pensez que c'est peu, c'est assez, c'est suffisant pour c'est travailler. C'est suffisant. Voilà. Et vous voyez qu'ils ont, ils sont allés avec une masse salariale qui allait un peu crescendo, parce qu'on sait comment ça s'est fait, et parce qu'il y avait des intentions politiques derrière. Malheureusement, ces intentions politiques n'ont pas pu aboutir à créer quelque part et un mécontentement social au point qu'il y a un ou deux corps que tout le monde en veut à mort, parce que derrière ces corps, il y a eu des décisions qui n'ont pas fonctionné correctement. Alors, donc, il faut essayer un peu d'avancer dans le souci de la cohésion sociale et de l'équité. Lorsqu'on veut réorganiser une société, regardez dans les systèmes anglo-saxons, au même niveau, vous avez le même salaire. Le même salaire. Diplôme égal. À diplôme égal, salaire égal, quel que soit le domaine. Maintenant, les indemnités varient en fonction des spécificités, mais c'est également au même niveau. On va donner peut-être une indemnité d'astreinte à un journaliste, on va donner une indemnité de risque à un policier, mais au même taux, au même diplôme. Donc vous comprenez que c'est quand même la justice, quoi. Quel que soit le domaine, on peut s'en inspirer. Et maintenant, c'est l'esprit du plan 1, plan A, plan B, plan C que nous ne connaissons pas ici. Parce que tout agent peut, en dehors de ses activités normales, aux heures imparties, faire autre chose en dehors. Que nous n'avons pas prévu dans nos textes, en dehors de l'agriculture, de la culture. Exact. Oui. Je crois qu'on peut aménager ça pour un peu permettre ce développement. Ce dont vous n'avez pas parlé, Dr. Claude Aimé Tassambedo, c'est la lutte contre l'insécurité. Oui. Comment vous travaillez à vaincre le terrorisme? Et également, vous n'avez pas dit essentiellement ce que vous allez faire comme réconciliation nationale dans l'immédiat. Alors qu'on vous a entendu dire quelque chose sur Blaise Compaoré à Zignaré. C'est vrai. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Ah oui, bien sûr. Oui. Qui est allé très vite. Oui. Et tout à fait, parce que je vais vous... Vous savez bien que je suis un ancien Pritane. Donc, j'ai fait le PMK, donc les questions militaires. Bon, m'interpelle ne serait-ce que par faiblesse. Donc, c'est trop simple. Là-bas, c'est le renseignement qu'il faut renforcer et puis essayer de développer l'armée de l'air au lieu d'équiper un peu tous azimuts. En tout cas, au vu de comment opèrent les adversaires et dont on a la connaissance maintenant, si on développe bien le renseignement et on renforce la surveillance aérienne. Il y a des candidats qui sont vos adversaires qui disent non, les terroristes ou ceux qu'on traite comme tels, il faut les ramener à la maison. Ce sont des Burkinabés qui se sont trompés. Exactement. Vous voulez des avions pour les bombarder. D'accord. Très bien. C'est pour cela que je disais la solution et j'en arrivais maintenant aux causes, quoi, pour dire que on a les adversaires internes et les adversaires externes, en réalité. Les adversaires internes, ce sont ceux et celles qui sont dans une situation de précarité, de difficulté, que l'on trompe et qu'on recrute. Il y a aussi une catégorie de frustrés, les anciens militaires. Tous ceux qu'on a injustement traités, ils se vengent par cette... Ce n'est pas une bonne méthode, mais c'est humain. Ils se vengent par cela. Donc,
il faut un peu les rendre justice pour qu'ils se taisent un peu. Donc, ils se vengent, ils appellent à la justice. Parfois, quand ils tuent, ils les disent, tant qu'on ne va pas leur donner leurs droits, ils ne vont pas. Il y a ce type de terrorisme qu'il faut gérer par le mécanisme de la réconciliation nationale dont on dit, mais j'ai mon idée là-dessus. Et maintenant, les terroristes externes, quand même, qu'il faut. Il faut une victoire militaire sur ces personnes-là avant de passer à une négociation. Mais sinon, on va capituler si on pense qu'il faut négocier immédiatement. Maintenant, il faut craindre que le retour de toutes ces personnes sans mesure vraiment de préservation ne crée d'autres problèmes. Ceux qui le disent activement ont d'autres retour raisons. Le retour de Blaise Compaoré, Yacouba Isaac Zida, je ne sais pas, Mariam Sankara et tous les exilés politiques. Exact. Ils peuvent revenir par un canal spécifique. J'ai proposé qu'il faut mettre des tribunaux qui sont inspirés des TPR, c'est-à-dire des tribunaux avec l'accompagnement du Conseil supérieur de la magistrature. S'il y a des dossiers sur ces personnes, qu'ils soient jugés. Maintenant, ceux, les crimes politiques, les personnes sur lesquelles il n'y a pas de dossier particulier, qui n'ont pas de crimes économiques ou qui n'ont pas de crimes de sang, on peut trouver une autre forme de réconciliation transactionnelle. Mais je vous dis que c'est dangereux de laisser passer certains crimes parce que ça va susciter et ça va encourager et ça va continuer toujours à frustrer d'autres personnes qui attendent que leur affaire soit jugée. Je pense qu'il ne faut pas... Ça peut les empêcher de venir, hein? Peut-être non, vous expliquer les choses, non, tribunaux spéciaux. Je pense qu'il faut venir ça assumer. Fait peur. Ça fait un peu peur, c'est vrai, mais je pense que c'est la voie de la dignité. C'est la voie de l'honneur. J'ai toujours dit que, et surtout à l'adresse de l'aîné Blaise Compaoré, et qui est un militaire, le militaire se nourrit d'honneur et de dignité. Je me dis, il n'est pas forcément inculpé. Il est jugé par anticipation ou en tout cas et il n'a qu'à venir répondre, on va l'écouter, mais je pense que c'est son ami. Quand tu perds ton ami quand même, bon, les gens attendent que tu t'exprimes sur la façon dont tu es le seul. Moi je pense que c'est le seul qui détient toute la vérité et qui peut venir nous le dire. Et s'il vient nous dire cette vérité, bon, la sentence qui va suivre, vous savez, les peuples savent pardonner. Les peuples savent pardonner quand il y a la vérité. Et vous trouvez que ce n'est pas bien que des candidats servent sur le retour de Blaise Compaoré pour battre campagne? Exactement. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça que j'appelle les charognards, quoi. Et ils sont en train de charogner sur le truc. Et alors qu'on sait que, vous voyez, c'est pour ça que moi j'ai dit, cette forme c'est une coquille vide. Il n'y a rien dedans. Ce sont des anciens amis qui profitent d'une situation pour essayer de surfer. D'ailleurs, il a tendu sa main, ils n'ont pas pris. Hein. Et c'est aujourd'hui qu'ils veulent le faire venir en moins de 6 mois. Donc on peut tout de suite apprécier leurs propos. Docteur Claude Ebeta Sambedo, quelle est votre idée de la souveraineté du Burkina et de son ouverture au monde? Tout à fait. C'est pour cela que je suis panafricaniste par ailleurs. Je crois que mon projet d'autodéveloppement, c'est cela. C'est d'arriver à exploiter de façon autonome nos ressources économiques. Tu ne peux pas parler de souveraineté et de liberté sans être autosuffisant alimentairement, sans avoir un niveau économique qui te permette au moins de résister, même quand on veut te faire la force. Alors, mais cela passe forcément par le panafricanisme. C'est pour cela que je suis panafricain. Je pense que nos pères fondateurs de cette idée-là ne s'étaient pas trompés. Ils l'ont pensé avant nous. Parce que diviser pour mieux régner, ça a un objectif. Et cet objectif demeure. Ce n'est pas pour le développement et la souveraineté des pays. Donc, travailler à nous, à être debout économiquement, à être suffisant alimentairement et intégrer la régionalisation progressive jusqu'à vraiment l'unité ou l'Union africaine. Et notre souveraineté en dépend beaucoup. Sinon, un État isolé, enclavé, est suffisamment fragile sur un certain nombre d'aspects. Mais avec le panafricanisme, je crois qu'on peut idéaliser cela. Si au soir du 22 novembre, vous êtes élu, quelles seront vos priorités pour les 100 premiers jours? Oui, j'ai dit que, premièrement, je réunis directement
les partenaires sociaux et pour faire la situation sur le niveau de crise nationale, pour avoir une idée là-dessus. Parce que c'est ce que je veux corriger pour arriver à une justice. Et je vous dis qu'il faut les replacer à leur niveau. Parce que ma méthodologie, c'est ça, le dialogue. Ce sont ces gens-là. On ne les prend pas. Les gens ont peur d'eux, mais non. J'ai été manager des ressources humaines, ça a été mes partenaires. Je sais qu'ils vous donnent les solutions objectivement quand ils vous font confiance et quand vous leur faites confiance. Il faut les replacer à leur niveau. Deuxièmement, c'est de faire une rencontre avec la hiérarchie militaire pour avoir la situation réelle. Parce que je ne crois pas à tout ce qui se dit de gauche à droite. Et je n'en ai pas la réalité des choses. Et moi, je les rencontre. Et je rencontre en dernier lieu le Conseil supérieur de la magistrature pour voir avec eux comment on va liquider tous les dossiers de contentieux, de crimes économiques, de crimes politiques dans un très bref délai inspiré des tribunaux populaires de la Révolution. Donc voilà un peu les directions que j'aurai. Et après cela, un petit audit pour nettoyer l'administration immédiatement et dépolitiser l'administration totalement et avec en mettant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je crois qu'on peut se mettre au travail après ça. Jusqu'à présent, idéologiquement, on ne vous a pas positionné. Vous êtes à gauche, à droite, au centre. Alors, et voilà, je ne dirais pas comme quelqu'un et qu'on a fini par nommer en même temps. Je ne suis pas en même temps. J'avoue que j'ai plus un penchant de gauche. Ça, je le dis fermement. Mais et je suis un peu à la Tony Blair, quoi. C'est-à-dire un mix. Voilà. Vous avez, il faut permettre aussi à l'économie de fleurir un peu en motivant un peu le travail. Parce que si on ne motive pas le travail, alors votre collaboratrice, vous travaillez et on n'encourage pas suffisamment ce travail-là à côté de quelqu'un d'autre qui ne fait rien, alors qu'on sait que vous partagez, vous risquez d'être démotivé à la fin. Donc il faut mettre le mécanisme quand même de motiver le travail, mais d'encourager le partage. En cas de second tour, vous pouvez être au second tour, vous pouvez ne pas être au second tour, comment vous vous comporterez? Alors, j'ai toujours dit, et je m'inspire de Malcolm X, il dit que le bulletin de vote, c'est comme une cartouche qu'on donne à son adversaire. Donc, si vous donnez la cartouche à votre adversaire, il ne peut qu'en faire usage contre vous. Je partage cette conviction-là. Donc, vous attendez. Donc, je ne donnerai pas de cartouche à qui que ce soit au second tour. Je préfère la garder pour me défendre et donc continuer autrement ma lutte parce que je suis désormais engagé dans une lutte farouche et je vais prendre toutes les formes pour me battre. Mais j'ai perdu confiance à beaucoup de mouvements de la société civile qui pour moi étaient justement des instruments qu'on a utilisés politiquement pour faire partie le président Blaise et dont ils ont les Marocains après. Mais les naïfs sont toujours trompés. Vous pouvez donc s'attendre à ce que vous créer un jour un parti politique pour justement amener ceux qui ont cette même vision-là avec vous? Non. Je n'ai pas envie de créer un parti politique. Et je vous ai dit que c'est la pire des choses. Et vous perdez beaucoup parce que tout de suite, ils viennent dans les calculs. Je pense que c'est la forme que j'ai, c'est de me battre de façon citoyenne, en me donnant des idées, en développant des pensées, en formant, en organisant. Je pense que je peux continuer à me battre autrement. Mais pas, je n'ai jamais eu l'idée de créer des partis politiques. Vous savez, je fonctionne un peu. Je pense que la politique, c'est le domaine où l'expérience est la pire des choses, que l'on soit dans la gouvernance ou dans l'opposition. Quand vous durez, vous êtes mauvais. C'est mieux que vous regardez dans les démocraties américaines. Quand tu viens te présenter une fois et tu disparais, c'est fini. On ne te revoit pas une deuxième fois. Je pense que l'OIA devrait prendre une disposition pour limiter les opposants historiques. C'est un autre problème pour nos pays. Merci, docteur Claude-Émile Tassambédo. Sur le statut de la première dame, l'épouse du chef de l'État, c'est vraiment flou au Burkina. Les gens s'en plaignent. Mais elle a un rôle quand même à jouer. Si vous êtes élu président du FASO, comment vous gérez la question? Je pense que je gérerai ça un peu à la Kennedy ou à la Rugen. Et il faut qu'elle soit discrète et efficace. C'est plus intéressant. Je ne souhaite pas qu'on lui donne un rôle politique.
parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas convenable. Moi, je pense que ça finit par jouer de façon négative dans le fonctionnement du couple, et ça gêne ceux qui travaillent, les collaborateurs qui travaillent avec le chef d'État, pensent que la première dame est venue prendre leur place auprès du chef d'État, et ça crée toujours des mécontents autour, et c'est mieux qu'elle reste à sa place. C'est pas elle qu'on a élue, et je suis formaliste, qu'elle reste à sa place et que le chef d'État gouverne et tire toutes les conséquences, parce que je pense que la politique et la gouvernance, c'est un engagement solitaire. Tu dois assumer seul les conséquences. Il ne faut pas entraîner toute ta famille dans des choses. Après, ce n'est pas intéressant. Merci infiniment, Dr. Claude Emeta Sambedo, candidat à la présidentielle du 22 novembre 2020. Merci de m'avoir fait bien connaître. J'étais pressé de venir à votre radio et à votre télé parce que vous êtes très bien écouté. Et je profite de vous féliciter. Merci. J'en avais vraiment envie. Merci. Merci à vous. Merci Adel Danassé de nous avoir aidé à connaître le candidat. Le candidat qui veut révolutionner la politique. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Savane TV et Savane FM. Nous continuons notre aventure avec les candidats à la présidentielle. Et le rendez-vous, c'est le 22 novembre 2020 dans les urnes. Bonne suite de programme à toutes et à tous.